Et bien sûr, tout le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le fameux premier épisode de Uncharted 4 à Thief End. Bon, je suis un peu déçu par l'accueil, parce que je pensais que ça aurait fait genre comme les précédents, mais bon, ça a l'air un peu glauque. Bon, j'imagine que le skate qu'on voit, c'est le fameux pierre qu'on recherche quand on marche sur cette trace, j'imagine. Mais bon, on s'en fout. Nouvelle partie. Ouais, intermédiaire. Automatique, visée automatique, pourquoi pas, bon, je vise bien, mais bon. Sens caméra, désactivé, ça je m'en fous. Caméra véhicule, voilà. Assistance de caméra. Aligne automatiquement la caméra dans la direction de vos mouvements. Ah, si, 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 je veux, je veux. C'est parti. Ah, tenez, sauvegarde. C'est bon. Super, ça c'est la première fois que ça me le fait, ça. Super, ok, bon. Bon, sinon les gars, bon. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon, mais si vous voulez, je vous reprends juste après, dès que ça commence, ok? Et à tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti. Chargement est court, la con du chargement est. Bon, changement à l'Uncharted, comme d'habitude. Tout déconne, hein, c'est bon, j'ai vraiment foulé, tout déconne. Pour mon portable qui déconne et tout, pour l'unboxing et tout, je commence fort les gars, vous voyez. Mon unboxing là, normalement, Donc là, il est en train de s'envoyer. Il prend quelques heures, mais bon. Ah, attention. Chut. Excusez-moi. Ok, on reprend. Pas bon du tout. Accroche-toi! Oh là là. Attends! Vite, il nous rattrape! Oui, je sais, je sais. Mais pas les gaz! Je te signale que je peux aussi vite que je peux, ça. On est vraiment pas. Ok, d'accord, on commence comme ça. Oh sa mère. Ok, d'accord. On va essayer avec une mini flingue, mais t'es fort toi. Oh, ça ouvre. Oh putain de merde. Oh, c'est chaud. Oh. Allez. Salut les gars. Allez, c'est parti, allez. Allez. Dégage-toi là, voilà, dégage. Viens là, toi, viens là, viens là, viens. Allez, dégage. Bon, je sais pas où les villes, donc laisse tout tomber, toi. Dégage, toi. Oh putain, on se fait canarder. Viens à toi. Allez, hop. Allez. Ah, ça fait du bien de retrouver un chantier, sans déconner, ça fait tellement du bien. Oh putain! Oh, oh merde! Allez, on continue, continue. Ah, lâche-moi toi! Oh là, ça commence fort dès le début. Hein. Ouh. Ouh. Oh là là! Oh, oh merde! Allez, on monte à la surface, on monte à la surface, allez, allez. Ouf, c'était chaud. Oh merde. Oh les hélices. Ouf. Ah, les phases sous-marines, j'attendais ça depuis longtemps. Allez, remonte, remonte, remonte. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je vais bien. Je vais bien. Le moteur de l'Archest. Quoi? Je peux le réparer. Faut juste que tu me coupes.
Oh là là. Ça ouvre. Effectivement, la mini automatique me dit qu'elle est un peu cheatée. Comment on charge ça? Ah oui. Hop, on va recharger. Lâche-moi toi. Oh non, 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 non. Le karma, c'est du bon, lol. Oh, y'a du monde. Il est où? Ah, dégage. Il y en a quoi? Alors on dégage. Boum 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 boum. J'ai fait un peu cher par contre. Y'a personne autour, ok. Ok go. Alors on démarre. Ok, je défonce vers moi. Ok. Oh bien. Oh là 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 là. Ça va, comme toi, peut-être que mon frangin, mais bon. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, ça va, comme toi. Oh là 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 là, j'adore, j'adore, j'équipe. Nathan, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Gâchis toi-même, wesh. Fais bien la porte, connasse. Donc voici le fameux Das Sam que nous dit dans le 3. Parce que vous voyez, dans le 3, on nous dit comme quoi il a été envoyé à la DAS. Et ben voilà la fameuse DAS. Putain, elle est très sympathique. Hein. Bon, je sais comment on joue. Premier chapitre, la paix de l'aventure. Ouais, je te vois. Y arrive mon grand frère. Par là. Yep. Par contre, je pense que je vais enlever la visée automatique. Parce que c'est vrai qu'elle est un peu cheatée. Mais quoi que je verrai, on va la laisser. Wow. Trop glissant. Ok, par là. Par contre, je sais pas s'ils ont repris la même voix que quand on voit Nate quand il était jeune, dans le 3, si vous voyez de quoi je parle. Je sais pas si c'est la même voix, mais ce serait cool que ce serait la même voix. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on glisse. Hop. Hop. Vous avez vu quand même déjà gamin, regardez ce qu'il fait quoi. Bon, c'est pas la fête alors. Ok, il faut que je sois discret. Pas de soucis. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a rien du tout. Là, oui, parce qu'il y a les trésors. Moi, les trésors, je pense que je ferai à la fin du jeu, je pense. Donc, retourne au rocher. Voilà, discrétion, mon gars, 100%. Oh merde. Oula. N'est-ce pas justement notre devoir d'aider les garçons comme nous? Pendant ce temps, je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement de moi? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui-même. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, écoutez, j'irai lui parler demain matin.
Sauf que demain, je serai pas là. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Catherine de mes couilles, là. Elle sert à rien, elle. Ferme la porte, c'est bien. Oh, elle s'est ouverte. Je dois aller par là. Mais tiens, enfin, petite curiosité, on va aller par là. C'est quoi ça? C'est mon dossier. Pour ça, la progression de Saint-Francis, je suis surpris de voir un peu. Je vais gérer tout ça une trois fois, mais bon, voilà. Ouais, bon, allez. Rangez, allez, on se casse. Il y a quoi là-dedans? On peut rien fouiller d'autre? Ouais, parce que l'expansion a été beaucoup plus poussée dans le. Dans cet opus. Quelle est ta nonne? Je la vois pas. Hop. Hop. Oh là. On va t'écarter. Faut que j'atteigne cette fenêtre. Ok. J'ai l'impression que c'est la même voix, hein, sans déconner, j'ai vraiment l'impression. Et... Oh, elle est là, la nonne. Ok. Allez. Allez, reste pas là. Ah, maintenant, faut rester. Il faut maintenir. C'est une roulade. Attends. Vas-y, fais-moi un joint là, signe tes péchés. Dégage. Ouh, j'ai failli me faire spotted. Et après, ça se dit non, ça fume un pet. Attends, deux secondes. Sœur Catherine. Zut. Sœur Catherine, j'ai de nouveau oublié mes clés. Pouvez-vous m'ouvrir le portail? J'arrive, mon père. Allez, on se casse. Lâchez, hop. Ça va, comme toi, j'arrive. Par où? Je suis un peu là-dessus. Allez, allez. Sam, attends. Par là. Attention. Hop. Hop. Vous avez vu quand même, gamin, regardez ce qu'il fait quand même, hein. C'est assez hallucinant. Et hop. Je sais pas, il doit avoir, allez, 10 ans, la dizaine, ou 12. Ou 12, mais regardez comme il est, quoi. Monte ça. Monte-moi ça de suite. Fou. Sam. Une torche, si tu veux. Tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Nathan, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. LOL. Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ouais. Par contre, concernant entre cinématique et tout, enfin, si vous voulez, dans un titre 3, si vous voulez, allez, on avait un sort d'écran noir à chaque chargement entre cinématique et les phases de gameplay. Mais là, c'est tellement bien fait. Dis donc, je suis léger. Ta sœur te donne pas à manger ou quoi? Très drôle. Y a personne là-dedans. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais, je m'en souviens. Donc on commence comme ça. Ça me rappelle un peu le 3. Genre dans le 3 en fait on pensait qu'on est... Enfin ça commence mal. On va le père de fille. Et là boum on va dans mon truc. Non, je veux pas me sentir coupable. N'inquiétez pas les gars, je sais comment faire Uncharted. Allez grimpe. Par là. Bon, on est plus très loin. C'était fastoche.
J'ai failli t'écraser, mais bon. Allez, on continue. Merde. Tu l'as pas bloqué? Bah, si, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Bravo. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs? Bien, suis-moi. Il y a même un grappin, lui aussi. Wow. Et maintenant, on prend la voie des airs. T'as déjà fait ça avant? Une ou deux fois. Super. Bon, allez, passe-moi le grappin maintenant. Allez, maintenant, on va prendre... À ton tour. J'arrive. Et l'enfoncer. Oh, ok, d'accord. Parce que je pensais qu'il fallait mettre juste du stick en avant, mais non, c'est un an enfoncé. Ok. Salut, voisin. Hop, hop. Allez, grimpe. Allez, grimpe. Oula. Toi, tu fais quoi en ce moment? Je bosse principalement. Tu sors toujours avec cette fille? Qui ça? Ah, Crystal. Ouais, ça va, ça vient. En ce moment, c'est pas le temps. Je pense que je vais bientôt m'arrêter. Attendez. Prochaine cinématique, après je m'arrête. Sans danger! Il suffit de pas y penser. Tu vas y arriver. T'es sûr de toi? Bon, allez, go. Je te tiens. Tu vois? C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Doigt dans le nez. Reste avec moi. Et hop. On monte. Allez. Ça t'a plu, hein? Ouais, un peu drôle. Carrément. Husse! Par là, juste derrière toi. Doucement. Vous avez vu comme il fait doucement là, regardez? C'est vraiment super. Oh non, on s'accroupit. Il va falloir sauter. Ok. Oh, un petit moment là, je pense que, à mon avis, c'est à cause des téléchargements, je pense. Oui, parce qu'il y avait les codes et je pense que ça télécharge en même temps. Et hop. On s'en voit les couilles. Allez, go. T'es prêt, Tarzan? Ouais. Ouais. Vas-y, passe devant. Allez. Et c'est parti! Wouhou! Ok. À ton tour. Bon, un peu bugué, mais bon. Par où maintenant? Mais t'es où? Il est où? Ah, il est tombé en bas, ok. Et hop! Ça peut grimper. Et hop! Oh là là! Allez, vas-y, grimpe au clocher. Ok. Pas sauter d'aussi haut. Ok, dans ce cas, t'as qu'à faire le tour. Oh! C'est ça être petit aussi. Eh. Oh non, craque pas. Et hop! Et voilà! On a une belle vue d'ici. Ouais. Pas mal. Et vous savez quoi? Ce sont des belles vues qu'on va s'arrêter. Et bien, ce sont les amis, j'espère que cet épisode 1 vous a plu. J'ai passé vraiment un bon compagnie. On se retrouve pour le nouvel épisode, ou plutôt pour l'aventure complète, vu qu'après je vais pas m'arrêter. Donc, j'espère que cette aventure va vous plaire et que on va s'éclater, tout simplement. Allez, sur ce, les gars, ciao tout le monde.